Raph, il y a un coup que je redoute au golf, c'est ce coup, la sortie de bunker de fairway. Oui, ben on va voir ça ensemble. Alors Kenza, nous voilà dans le bunker de fairway pour une sortie longue. Il y a 5 règles à respecter. Premièrement, je grippe plus court et j'enfonce mes pieds. Comme ceci. Deuxième règle, la balle un peu plus centrée dans le stand, comme les coups de sandwich, pour assurer un contact sur la balle en premier. Sachant qu'on n'a pas le droit de poser le club dans le sable, ne pas oublier. Troisième règle, l'angle d'attaque. Encore une fois, comme le coup de sandwich, angle d'attaque descendant pour assurer le contact sur la balle en premier, encore une fois. Quatrième règle, le trois quarts de swing, c'est pour avoir un meilleur contrôle dans mon swing avec de l'intensité. Trois quarts de montée, trois quarts de traversée avec beaucoup d'intensité. Et cinquième règle, le truc qui fait toute la différence, solidité du bas du corps, pour éviter trop de translations sur les jambes et avoir un bon contact. Oh, bien touché celle-ci. Oh, elle est incroyable cette balle. Bah écoute, merci Raph, j'aurais plus peur d'affronter les bunkers de fairway.